Et salut tout le monde, ici Logan7218. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo alors sur le petit concept que j'ai prévu depuis pas mal de temps maintenant, depuis près de 2-3 mois que j'ai mis au point seulement. Il y a un mois que j'en ai un peu parlé et qu'on va mettre justement au point, que c'est notre première vidéo de présentation d'un youtubeur qui s'appelle The Golden FX alias Théo. Salut tout le monde, moi c'est Golden, voilà. Donc je suis content de participer au premier épisode, Logan. Voilà, merci de m'avoir invité. Ah bah merci. Voilà, je suis ici pour présenter ma chaîne et aussi un peu pour aider Logan à rendre le concept un peu plus connu. Donc voilà, moi je suis graphiste et vous pouvez voir mes vidéos qui s'affichent à l'écran maintenant. Donc je fais des speed art, des cadeaux, des giveaways, je fais des backgrounds, hein, pour tout le monde. Je fais aussi des petites vidéos spéciales et des trucs comme ça, quoi. Donc je tourne un peu autour de l'univers du graphisme. Je suis assez proche de mes abonnés, je réponds à quasiment tous les commentaires et voilà, donc les feedbacks, ça me fait super plaisir. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Justement, je vais en profiter vu que on a eu les petites vacances de Noël et au final, malheureusement, je n'ai pas pu faire de vidéo avant celle-là pour dire que j'étais de nouveau là, comme j'avais dit que j'étais absent du 24. Non, du 23 qui était mis sur ma chaîne, mais je partais le 24 jusqu'au 30. Au final, là je suis enfin revenu. Finalement, c'est la vidéo parce que, comme malheureusement, tu vois, j'ai tendance à faire des vidéos à l'avance et après seulement les poster quelques jours plus tard. Finalement, ils vont se dire, mais le mec il est parti. Après, il nous lance un épisode 12 d'Assassin. Le mec il dit rien, comme si le mec il est revenu, comme s'il est jamais parti. En réalité, les épisodes d'Assassin étaient faits bien avant. Hein. Voilà pourquoi vous allez rien entendre de mon départ de vacances. Et voilà la réelle vidéo, la première que j'aurais fait avant de partir, enfin de revenant. Et oui, justement, le concept est fait pour connaître les gens qui n'ont pas pu se faire aider par des autres gens ou qu'ils ont du mal à avancer. Après, tout dépend. Moi, de mon côté, j'ai eu pas mal du mal à avancer. J'ai dû faire mon public par moi-même. Quand j'ai voulu faire passer des vidéos sur des chaînes communautaires, personne ne les prenait parce qu'il y avait des comparaisons entre moi qui avait 300 abonnés et des mecs qui en avaient 3000. Finalement, c'était le mec qui en avait 3000 qui passait. Bon, c'est un peu de la comparaison dégueulasse et méchant venant de leur part, mais c'est comme ça, c'est la loi de la jungle de YouTube. Hein. YouTube, plus vous avez des abonnés, plus vous aurez des chances de passer. Moins vous en aurez, plus vous serez dans la merde. Il va falloir avoir quelqu'un derrière vous pour vous faire avancer. C'était tout le temps comme ça. Hein. Exactement, voilà. Malheureusement, voilà, je me suis dit, on va scripter peut-être ce petit concept, ça fera peut-être plaisir à quelques personnes. En même temps, ça me fait vraiment plaisir d'aider des gens à qui sait se faire connaître, qui sait ça leur faire. Enfin, le but est de leur faire gagner quelques abonnés grâce à des vidéos comme celle-ci. De toute façon, il faut savoir aussi que ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous dire, elle ne sera postée que sur ma chaîne. Oui et non, c'est qu'elle sera postée sur ma chaîne, ça c'est vrai. Toutes les vidéos que je ferai avec ce concept seront postées sur ma chaîne, mais il faut savoir aussi qu'elle sera partagée sur mon Facebook. Mais il faut savoir aussi que j'ai 11 groupes où ce qu'il y a 2000 membres et 2000 membres différents à chaque fois. Logiquement, si elle est partagée dans les 11 groupes, plus mon Facebook à moi, plus ma chaîne YouTube, et plus mes membres Skype, normalement, je pense que vous devrez gagner pas mal d'abonnés. Bon, après, en espérant, ça dépend comment est-ce que vous allez parler et comment est-ce que vous allez attirer la personne de la façon que vous allez parler. Et après, si votre chaîne est intéressante, vous aurez de plus en plus de personnes qui vont cliquer sur votre chaîne qui sera dans la description de cette vidéo. Pour participer, c'est très simple, il n'y a rien de plus simple. Vous mettiez « Je participe » en commentaire privé. Alors, message privé, hein, rien de plus simple. Vous mettez « Je participe » au concours ou précisez un peu dans quoi. Parce que si vous marquez « Je participe », je pense que je vais comprendre, sauf s'il y aurait un concours sur le mois. Et voilà, après moi, je vous mets dans un bloc-notes pour être sûr de ne pas oublier votre nom. Et après, tout simplement, voilà, ça sera tout le temps des tirages au sort faits par Random.org qui sera après, qui sera le gagnant. Et je ferai une vidéo avec vous, que bien sûr, il faut savoir qu'il faut Skype. Hein, ça, c'est obligé, sinon c'est un peu dur. Hein. Et il faut un micro, bien sûr. Sinon, par écrit, je suis un peu dans la merde si je dois me parler à moi-même. Et voilà, sinon, si tu as des choses à dire à propos de ce que ouais, tu dis. Ouais, et je voulais rajouter aussi pour le niveau de la sélection, des gens qui vont passer sur ton... Sur ton émission, si je puis m'exprimer ainsi.
les gens qui voudraient participer, ce serait pas mal de leur part qui mettent pourquoi ils voudraient participer, pourquoi il faudrait qu'ils soient plus connus, pourquoi il faudrait qu'ils passent avant quelqu'un. Et donc inciter les gens à réfléchir sur ça, ce serait franchement pas mal. Donc voilà, comme les... Il n'y a pas tout le monde qui peut se démarquer, franchement. Ce concept, il est vraiment pas mal. Et ce serait franchement pas mal des personnes qui veulent participer, de leur part, de justifier pourquoi ils veulent passer sur cette série. Et voilà, donc ça peut inciter les gens à réfléchir sur eux et si vraiment leur chaîne, elle vaut le coup d'être connue ou pas. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal pensé. Au moins, bah, ça va différencier un peu les gens des autres gens, hein. Comme ouais. Ça, bah, y aurait, on peut dire, bon, après, c'est tout un système, hein. Mais c'est vrai que, moi, de mon côté, ça va me donner envie de me dire, bon, toi, tu seras en priorité, contrairement à lui. Après, c'est peut-être aussi dégueulasse. Peut-être que les gens vont se dire, c'est autant dégueulasse que les chaînes communautaires. Mais oui et non, c'est que les chaînes communautaires, eux, carrément, ont une comparaison entre les abonnés. Alors que moi, c'est pas entre les abonnés. Si le mec a 1500 abonnés, que l'autre en a 300, si sa chaîne à 300 est plus, enfin, est mieux et qui montre de plus belles choses, bah, il va passer. Moi, il n'y a pas de comparaison avec les abonnés. C'est vraiment la comparaison de son contenu. C'est pas la même chose, hein. Mais il faut savoir aussi un détail très important au concept, c'est que c'est pas spécialement sur des jeux. Oui, il y a des gens qui croient que c'est obligatoirement pour des jeux. Il faut savoir que pour la première fois, je trouvais ça en même temps différent, c'est bien. C'est que moi, c'est que pour des jeux, vous le savez bien, c'est sur toutes les nouveautés et tout. Tous les nouveaux jeux qui sortent, des let's play où je montre la totalité des jeux, tests où je montre tout ce que j'ai débloqué, bon, ainsi de suite. Et en réalité, là, c'est n'importe quoi, quoi. Si vous faites des vidéos gags, vous montrez un avion en papier. Voilà, donc la preuve, moi je suis GFX, hein, je suis pas. Oui, je voilà. Fais pas de gameplay. Comme Théo, hein. Ouais. Théo n'a rien à voir avec des jeux, c'est vraiment GFX ou ce qui fait des backgrounds. Il faut, oui, aussi, tu pourrais peut-être préciser après si ça t'intéresse que tu fais aussi des backgrounds et des intros et logos payants. Surtout que les gens sont très intéressants maintenant, intéressés de nos jours aussi au niveau des graphistes. Surtout qu'en plus, c'est assez chaud d'en trouver. Ouais, le niveau graphiste avec un bon niveau. Ouais, sur YouTube, il y en a beaucoup, mais après, au niveau du choix et des prix, tout ça, ça varie beaucoup, quoi. Ouais, ouais. Bah justement, tu pourrais peut-être préciser un peu tes prix. Après, c'est vrai que je vais un peu dans les détails, mais bon, il faut savoir dire un peu là, ce que tu fais, ouais. Vraiment. Pour l'instant, en fait, je fais pas de commandes parce que j'ai des petits problèmes avec mon PC, mais si vous voulez voir, si vous êtes intéressé, si vous voulez voir les prix, il y a tout sur ma chaîne. Voilà. Ouais, c'est vrai, en plus, il y a... bah, de toute façon, dans la description, vous trouverez le lien de sa chaîne. Et une fois que vous serez sur sa chaîne, il y a son portfolio, où il y a toutes ses créations, prix, commandes, à droite. Et là, vous aurez tous les prix des logos, intro et background, justement, pour ceux qui sont intéressés à devoir en demander, qu'ils ont du mal à en trouver, ou ainsi de suite. C'est assez intéressant. Justement, je vais demander un petit background à notre ami Théo, que je pense que vous ne verrez dans je ne sais pas combien de temps, on verra quand son PC sera réparé. Et en même temps, ça ouais, voilà, et en même temps, ça vous donnera on peut dire une impression en plus de vous dire mais il faut aller voir sa chaîne parce que c'est du très bon boulot. C'est pas parce que je suis que je suis GFX et que je suis ami avec Logan que on fait un peu plus de pub. On va faire de la pub partout, comme ça, partout chez tout le monde. On va essayer un maximum de faire connaître la personne. Et voilà. Oui, justement, aider vraiment les gens qui sont dans le besoin. Il faut savoir aussi que je ne vais pas aider des gens qui ont 1000 abonnés. Vous allez vous dire pourquoi ? Bah, parce que ça va dans la logique. Je ne peux pas aider des gens qui ont déjà fait leur public. Il n'y en a pas besoin. Ouais. Bah, c'est ça, c'est fini. Voilà. Après, il a fait son groupe, il a fait son public par lui-même. C'est bon, je pense que le mec, 1000 abonnés, je pense que c'est bon. Il a déjà ses personnes. Moi, ce que je veux aider, c'est des gens qui ont beaucoup moins de 1000. 300, 500. Je peux. Moins de 1000. 1000. Enfin, si vous êtes à 1000, c'est fini, quoi. Ça ne sert à rien. Vous avez fait votre public, vous avez fait votre route. C'est bon, après, vous vous débrouillez. Mais des gens qui ont 200, 300, même plus bas, hein, 0 abonné, ça marche. Il faut pas avoir un nombre d'abonnés spécifié pour passer. Après, il faut savoir que, comme Théo a dit, il faut que ça soit intéressant dans le commentaire. Il faut que ça donne envie que vous passez priorité contrairement aux autres. Après, si vous allez tous me dire je fais du Call of et que vous êtes sans faire du Call of, surtout que nos jours, tu sais bien que c'est que du Call of, c'est ce qui me fait le plus chier, putain. Parce que nos jours, c'est quoi Call of Moi, Call of
24-7 sur Calaf. Putain, à croire c'est le meilleur, c'est le seul jeu du monde quoi. Bon, voilà. Mais voilà, après, ça dépend comment ce que vous allez écrire, qui sera intéressant. Après, comme d'habitude, hein, comme vous allez voir, je vous parle sur Skype. Comme je fais avec Théo, il vous fait micro et Skype, bien sûr. Je vous ajouterai par... vous me donnez votre nom par message privé, je vous ajoute. Et c'est là que commence. Mais il faut savoir, tout d'abord, parce que vous allez vous dire, mais qui gagne? Il n'y aura pas tout le temps des concours toutes les semaines non plus. Hein. En réalité, je vais vous envoyer un message en message privé sur votre chaîne, à la logique. Et je vais vous dire, voilà, où tu as gagné. J'écris un message, quoi. Pour vous faire comprendre qu'il vous faut Skype et tout. Et c'est là que vous allez participer. Voilà, bien sûr, il faut participer, ça c'est clair. Et pour participer, c'est très simple, il faut vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et partager un maximum ce concept, parce que beaucoup de gens sont intéressés, beaucoup de gens en ont besoin. Parce que le maximum vous partagez, le maximum il y aura de monde qui ira sur votre chaîne. Ouais, voilà, il faut savoir ça aussi, parce qu'il y aura plus de vues, égale plus de gens qui vont s'abonner en passant dans la description. Il n'y a que des avantages à partager les vidéos. Vous allez vous dire, mais pourquoi ça n'augmente que mon public, ce n'est qu'un profit pour moi? Non, c'est faux, c'est un profit pour vous aussi, parce que ça sera des vues qui seront accumulées sur cette vidéo, et voilà, après ça sera des abonnés accumulés sur, si c'est vous qui est passé sur la vidéo, et qu'après, grâce à vous que vous avez partagé, ça va partager à un autre, que eux vont regarder cette vidéo, que ça va vous apporter des abonnés. Voilà, donc c'est une petite chaîne, quoi. Voilà, c'est une chaîne de trucs quoi, c'est il y a que du gagnant pour les gens. Tout ce que je veux en échange, c'est que la personne qui serait passée poste cette vidéo sur sa chaîne, même s'il il sait pas comment on fait. Un exemple, il m'envoie un message, je lui explique, de toute façon j'ai un site pour c'est tout ce que je veux pour que vraiment le concept soit partagé un maximum à donf, pour aider les gens qui sont vraiment dans le besoin, qui ont vraiment du mal à avancer, parce que YouTube de nos jours est très très difficile hein, pour avancer. Franchement, il n'y a rien à y dire. Hein. Voilà. Je vais pas parler comme un mec à 100 000 abonnés, mais c'est difficile. Je dois bien l'avouer, c'est très difficile. Je connais des gens, ils sont là depuis 3 ans, ils ont 80 abonnés. C'est moche, hein, mais c'est difficile. On sait pas se faire voir, quoi. Pour te voir, même si tu fais un excellent contenu, pour te faire voir, pour te trouver, il y a beaucoup trop de chaînes. Il faut vraiment que tu fais parler à tout le monde de ta chaîne, sinon c'est mort. Et c'est ça qui rend YouTube atrocement difficile, et même limite tu vas t'arracher les cheveux en devenir chauve quoi. Donc voilà, donc c'est franchement une bonne initiative des plus grands youtubeurs. Je pense que cette pratique là elle devrait être un peu plus étendue, je sais pas ce que t'en penses. Bah moi j'ai toujours été quelqu'un, enfin je vais pas non plus me la jouer gentil et bonne sœur, mais j'ai toujours été quelqu'un qui était pas mal généreux de mon côté, qui pouvait aider certaines personnes qui étaient vraiment dans le besoin. Beaucoup de gens ne le font pas. Bon, après, je connais pas beaucoup de gens qui sont mes abonnés. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Pourquoi? C'est normal aussi. Le faire, ça peut-être risquer ta place. Mais bon, après, non, parce que chacun a ses options. Il suffit que le mec aura peut-être un jour plus d'abonnés grâce à moi et qu'il va même me dépasser. Qui sait, c'est possible, tout est possible. Mais après, si le mec n'est pas rigolo ou le mec fait pas un jeu que moi je le fais, c'est tout le temps ça qui pourra tout le temps nous différencier tous les deux. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Finalement, ils veulent pas le faire justement pour ne pas aider. Ils veulent que les gens soient dans la merde. Et moi, c'est pas mon truc, quoi. Moi, mon but est d'aider des gens, faire plaisir aux gens avec mes vidéos, même si, voilà, moi, même si ça rapporte pas forcément grand-chose, moi, c'est pour le plaisir et rien d'autre. Après, c'est clair, si tout le monde le ferait, ça pourrait nous faciliter à tous la tâche. Mais bon, après, je sais pas... Je suis pas trop d'accord avec ce que t'as dit, le fait que les gros youtubeurs, ils veulent... éloigner la concurrence et qu'ils veulent rester dans une situation de monopole, parce que eux ils s'en fichent un peu, leur public il va rester chez eux s'ils les aiment bien. Oui bah c'est ça, ils vont rester chez eux, sauf qu'il y aura, comment dire ça, après le mec a qui sait des chances qu'il fait un truc, parce qu'on sait jamais, c'est le mec après il fait un concept que moi je fais pas, mes abonnés vont se dire bon maintenant je le suis pour le concept, mais bon après il faut pas non plus toujours voir en noir. C'est pas parce que le mec il fait un concept que forcément je vais perdre 100 000 abonnés. C'est après moi je vais faire des concepts que lui ne fait pas. Finalement mes abonnés, il faut savoir que de toute façon mes abonnés ne sont pas abonnés qu'à moi. Hein. Ils sont abonnés à 200 autres chaînes. Hein. Il faut pas croire que quand quelqu'un s'abonne à vous, il est abonné que à vous. Ça c'est des couilles, hein, ne croyez pas ça. Hein. Et dans tous les cas s'il est abonné qu'à vous, ce sera pas pendant très longtemps. Hein. Ça c'est qu'une question de temps. Il est abonné à plein de gens, il regarde des vidéos de plein de monde. C'est seulement que vous êtes dans sa liste, c'est tout. Moi sinon,
sinon voilà, ils ne regardent pas que vous. Alors dans tous les cas, vous montrer ou ne pas vous montrer, ça revient même vu qu'ils ne regardent pas que vous. Dans tous les cas. Bon après moi je fais ça pour le plaisir, ça marche tant mieux. Ça marche pas et que les gens sont pas contents, parce que de toute façon je le sais et j'en suis sûr, il y aura toujours des rageux qui vont dire ce concept n'est pas bon, moi j'attends depuis un mois. Bon voilà, je peux pas faire plaisir à tout le monde, sinon j'aurai 900 000 abonnés. Voilà. Ouais, donc la vidéo elle c'est. Donc la vidéo elle, c'est assez étendue là. On a passé quand même genre 10 minutes à parler là. Ouais, quand même, il faut dire aussi c'est la première petite vidéo du concept, parce que les gens ne connaissent pas ce concept. J'en ai parlé, je crois que j'en ai même pas parlé du tout, sauf sur mon Facebook, j'en ai pas parlé. Au final, bah forcément, il faut bien que c'est une vidéo à la fois présentation, mais présentation de ta chaîne aussi. Bah justement, on va se quitter dessus, à moins que tu aies un détail encore important à ta chaîne. Hein. Je pense que tout a été dit. Ouais, bah justement, si vous êtes intéressé par Théo pour un background intro ou logo dans les jours à venir quand son PC sera réparé, qui sait, n'hésitez pas, dans tous les cas, il vous répondra oui ou non, après ça à lui de voir. Aussi, il y a des vidéos tuto, des vidéos marrantes avec Hitler que j'ai vu. Ouais, entre autres. Oui, voilà, il y a des trucs assez fun à aller voir. Je vous invite à visiter sa chaîne qui sera bah, justement le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez qu'à appuyer sur le petit plus qui sera en bas. Et après, bah, vous aurez directement, il fera écrit lien de, je sais pas, chaîne de l'auteur. Je sais pas, non, on verra ce que je il y aura un lien, point. Ouais, il y aura un lien, point, et c'est fini, quoi. Il faut pas chercher la difficulté. Je sais pas comment ce que je vais appeler cette vidéo à ton avis, je voulais essayer de trouver un nom qui pourrait ressortir le concept. J'hésitais entre YouTube un incroyable talent. À ton avis, ça peut être assez fun, je trouve. Ça peut le faire, ouais. YouTube un incroyable talent, mais mon problème c'était que je voulais bien mettre YouTube un incroyable talent, mais au niveau des commentaires, un exemple numéro 1, numéro 2, tu vois, je pouvais mettre quoi après ? J'ai pas trop d'idées. Ou alors les perles de YouTube, peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce qu'il y a des talents cachés. Bah, c'est ça, il y a des talents cachés qui ne se fait voir par personne. Mais qu'il faut les voir parce que, bah, il y a des gens que ça vaut le coup d'aller regarder. Voilà, bah, si vous regardez cette vidéo, que ça soit sur la chaîne de Théo Sidlabé, sur ma chaîne, sur les groupes Facebook, qui sait, ça sera des anglais aussi qui te regardera, mais qui ne comprendront peut-être pas. N'hésitez pas à visiter sa chaîne et en même temps vous abonner à sa chaîne et aussi à la mienne, ça fait toujours plaisir, et de partager ce concept un maximum aux personnes que vous connaissez qui sont dans le besoin et qui ont du mal à avancer de leur tour, ou qui c'est vous aussi, vous écrivez, je participe dans commentaires publics ou privés, c'est un des deux, et moi je me répondrai en disant voilà, tu passeras, je sais pas quand, est-ce que voilà, bon. Voilà, vous allez comprendre dans les jours à venir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, vous en même temps, comme gameplay, je pense mettre quelques vidéos de Théo. Je pense qu'il y a pas mal de vidéos de toute façon qui pourra faire continuer le gameplay. Parce qu'après, un gameplay avec un fond noir, c'est toujours dégueulasse. On va mettre quelques petites vidéos tuto aussi. Je pourrais peut-être mettre les vidéos tuto où tu montes les logos, tu fais même le tuto du logo 3D de. Merde, c'est Pit Dog. Oui. Moi, je peux mettre ça, c'est un speed art. Ouais, voilà, speed art. Je peux speed mettre art. Comme ça peut être assez fun. Et en même temps, vous allez voir un peu le talent de Théo qui peut faire en plein gameplay. Voilà. Ouais, c'est le but. Voilà, c'est le but en même temps, c'est sûr. Voilà, bah moi j'ai tout dit. Je sais pas si tu as un dernier mot pour nous arrêter là-dessus. Salut tout le monde. Moi, c'est dit. Bon ben voilà, ben on se retrouve à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes, et on se retrouvera à une prochaine vidéo de gameplay, test, découverte ou let's play d'un futur jeu, surtout beaucoup de jeux arrivent. Voilà, prenez bien soin de vous, on se retrouve à la prochaine vidéo, bonnes vacances de Noël qui est déjà fini, et à la prochaine les amis, salut ciao, tout le monde.